Tu vas voir, chaque monstre va nous faire une démonstration de sa spécialité. C'est Franck qui va commencer en nous montrant comment il glace le sang des passants. Ouais, il va leur dire bouh. Oh, je doute que les bouh aient frais quiconque. Mais c'est pour ça qu'on est là, pour apprendre de notre champion. Ouais, je vais vous faire une démo. T'es génialissime! On peut faire une photo! Tu veux bien? Oh, avec plaisir! On se fait un petit selfie! Je lève. Oh, c'est top! Merci beaucoup! Bisous! À plus, les filles! Bouh! Oh, qu'est-ce qu'il est adorable! Adorable, exact. Pas effrayant du tout. Mais un bouh, c'est déjà ça. Il y aura le dessin d'un monsieur trop cool. Laisse-moi deviner. Kaki? Non, il est super cool, il grimpe au mur et il porte une cape. Non, c'est vrai. Et on peut savoir qui c'est ce monsieur super cool? Batman. Batman. Génial. Tu connais personne d'autre qui a une cape et qui est cool? C'est bon, arrête-toi ici. T'es prêt, Wayne? C'est ton tour. Va tuer quelque chose. Dennis, faut pas rater ça. Quoi? On s'était mis d'accord. On doit le stimuler si on veut réussir à débusquer le monstre qui sommeille en lui. Il a sommeillé le monstre? Mais non, tiens, c'est l'heure de ton avocat, mon cœur. Chouette! Ta maman dit que c'est plein de bonne graisse. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je vais pas salir l'image des monstres juste pour que ton petit-fils aime les vampires. De toute façon, il n'y a rien à tuer par ici. C'est complètement... Oh, il est pas trop mignon. Mets-tu-le. Oh, génial. Je l'ai pas fait depuis des années. On n'a plus besoin de tuer personne. On a des raviolis. Mon petit Dennis, ce sera très divertissant. Wayne va croquer ce chevreuil tout entier et toi, tu croqueras le suivant. Wayne, action! Oh, misère, je suis trop vieux pour ça. Ok, comment on fait déjà? Non, n'importe quoi, ça c'est pour la pleine lune. Ah oui, je grogne. C'est parti. Ah! Allez, va chercher! Bravo, Toto Wayne! Tu parles d'un loup-garou, tu me fais rire. Tu appelles ça un grognement, toi? T'es qu'une loup-garette, oui. J'avais dit que j'étais rouillé.